Raison, la régie, bien sûr, on va aller voir des comédiens, une comédienne merveilleuse, c'est Clémentine Sellarier. Alors, elle interprète Clémentine Sellarier sur les planches du théâtre, Jeanne, l'héroïne du roman Une vie de Guy de Maupassant. Alors, grâce à ce rôle, elle peut tout incarner, puisqu'elle va incarner les étapes de la vie de cette femme, d'abord la jeune fille, puis l'épouse trahie, puis la mère, puis la dame âgée au crépuscule de sa vie. Vous l'imaginez, c'est une très très belle performance d'actrice. Presque un Molière à la clé, à mon avis, tellement elle est incroyable, Clémentine Sellarier. Clémentine qui a rencontré Julia Livage. Regardez. De vieux souvenirs. Ah oui, je me souvenais. Le couvent. Oui, je me souviens. Du couvent. Ma sortie du couvent. Ah oui, Alors Jeanne, elle sort du couvent. Et elle a 17 ans et elle vit, elle vibre et elle attend de la vie et de l'amour, évidemment, comme tout le monde. Il me dit, oui, il me dit très distinctement. Jeanne, si vous vouliez, ce seraient nos fiançailles. Ah, je baissais la tête d'un mouvement très léger qui peut-être voulait dire oui. Maupassant n'a aucun recul. Il est toujours dans la passion et dans le... Dans le truc comme ça, quand on a de l'âge, quand on est mûr, on va dire, on a plus de recul sur les choses. Mais quelquefois, non. Moi, j'ai pas de recul sur l'amour, par exemple. S'ils sont amoureux, j'ai 14 ans, voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, moi, ce que j'adore chez Maupassant, c'est qu'il est excessif, entier. Il est tout ce qu'aujourd'hui, on nous déconseille d'être, si vous voulez. Tout le monde était donc perfide, menteur et faux. Dans le livre, elle pleure tout le temps. Bon, moi, je pleure pas tout le temps. Enfin, je pleure beaucoup. C'est pas du mélo, comme on dit. C'est pas ça. C'est la vie de pleurer. À la lueur du feu agonisant, j'aperçus à côté de la tête de mon mari la tête de Rosalie sur l'oreiller. Alors, je mets la perruque parce que, si vous voulez, on peut pas jouer Jeanne comme ça. C'est pas possible. Voilà, et comme j'ai eu donc ce cancer qui a fait que j'ai perdu mes cheveux et qui ont repoussé, ouais. Et bien donc, je regarde que c'est quand même pas mal, non? C'est quand même impressionnant. On n'aurait jamais pensé à moi pour faire Jeanne. Pourquoi on n'aurait jamais pensé Parce que c'est des trucs, c'est des cases. Vous voyez, j'ai 64 ans, je fais une jeune fille de 17 ans. Pas tout le temps, hein. C'est génial de pouvoir jouer un personnage, qui passe d'un âge à un autre, vous voyez, librement. Ah, j'avais envie de chanter de tendre dehors ma main pour l'emplir d'eau que je boirais. Ah, et je jouissais d'être... Je ne suis pas seule, je suis avec les gens, avec le public. Le public, c'est une personne. Et moi, je suis avec mon passant. Donc, en fait, on est trois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, en plus. Avant de jouer, maintenant, je lui parle. S'il te plaît, soit sur mon épaule, soit avec moi, pour aller dans les gens. Aller... Parce qu'il faut vraiment les prendre, les gens. Et à supporter les autres... avec un visage tranquille. Les gens sont heureux qu'on vienne à eux, mais pour moi, la tournée, c'est presque plus important que d'être à Paris. On veut que la beauté de Maupassant quoi, se diffuse le plus possible, vous voyez. Bon, je parle beaucoup. On pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts. Alors si comme nous ça vous a donné envie, sachez que la pièce mise en scène par Arnaud Denis est en tournée dans toute la France. Ce sera jusqu'à janvier 2023, jusqu'à fin janvier 2023. Et elle sera notamment au Festival d'Anjou le 14 juin prochain.